Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Que doit cultiver Soma? Écrit par Munda Writers Group. Il était une fois un vieil homme appelé Soma. Il se nourrissait des fruits des arbres de la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait, il arrive à un ruisseau. « Pourquoi ne commences-tu pas à planter ?» lui dit le ruisseau. C'est ce qu'il a fait. Soma, le vieil homme, a coupé des arbres des deux côtés du ruisseau. Il a labouré la terre et a semé de l'avoine. Quand l'avoine a été mûre, un écureuil est venu la manger. Pourquoi manges-tu mon avoine ? A demandé Soma à l'écureuil. Si tu avais cultivé du grain de cheval, je ne l'aurais pas mangé, répondit l'écureuil. Alors Soma, le vieil homme, a semé du grain de cheval dans son champ. Lorsque le grain de cheval a été mûr, un cerf est venu le manger. « Pourquoi manges-tu mon grain de cheval ?» a demandé Soma au cerf. « Et tu avais cultivé du maïs, je ne l'aurais pas mangé, » dit le cerf. Alors Soma, le vieil homme, a semé du maïs sur sa terre. Un peu plus tard, un perroquet est venu manger le maïs. « Pourquoi manges-tu mon maïs ?» a demandé Soma au perroquet. « Si tu avais cultivé des cacahuètes, je ne les aurais pas mangées !» dit le perroquet. Alors Soma, le vieil homme, a semé des cacahuètes. Quelques jours plus tard, un chacal est venu manger les cacahuètes. « Pourquoi manges-tu mes cacahuètes ?» a demandé Soma au chacal. « Si tu avais cultivé des patates douces, je ne les aurais pas mangées !» dit le chacal. Soma, le vieil homme, est alors allé planter des patates douces. Peu de temps après, un sanglier est venu manger les patates douces. « Pourquoi as-tu mangé mes patates douces ?» a demandé Soma au sanglier. « Si tu avais cultivé du sésame, je ne l'aurais pas mangé !» dit le sanglier. Soma, le vieil homme, a donc semé du sésame. C'est ainsi que Soma a appris à cultiver différents types de récoltes. Soma et les animaux ont longtemps vécu heureux ensemble. Aimez-vous aussi manger ces plantes? Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.